C'est ça. Est-ce que ceux qui sont basés pour les débouter là, est-ce que ça va se répéter? Non, mais ma question, oui, c'est possible, mais je vous pose la question. Si la première décision a été favorable à la dame qui a payé, ça veut dire que la justice a dit que son achat de l'immeuble était juste. Parce que non, écoute, la décision favorable, là, non, je t'explique. Le document présenté, était juste. C'était pas l'objet. Ce n'était pas l'objet du procès. J'ai acheté un bien immobilier, il y a des gens qui sont dans la maison. Je demande au juge de me donner un document pour les expulser. Ouais, ouais. Ils veulent contester l'expulsion. Le juge dit non, écoutez, le bien est en son nom, vous partez. Maintenant, ils font appel et ils contestent la procédure de la vente. Donc, c'est un autre procès qui s'engage plus. Se réparter en disant, madame, vous nous avez mis dans un tête à peine et nous voulons sortir de là. Je vous informe que je suis à 1%. Donc, si je tombe, ce n'est pas de ma faute. Oui, mais le général, permettez-moi de dire que même s'ils sont allés sur cette présence, c'est-à-dire que même s'ils sont allés pour dire, la femme est allée dire qu'elle veut prendre sa maison, il faudrait qu'elle donne des documents qui prouvent qu'elle a payé cette maison-là légale. Non, ils ont signé les papiers normalement. Voilà, donc ça veut dire que il y a des documents qui sont normaux. Documents normaux, c'est-à-dire des documents qui sont. Non, la procédure de vente est normale. Madame, okay. Son nom est sur un document, est sur une maison. Deux enfants maintenant, c'est elle qui, par sa procédure, demande à ce qu'on remette tout sur la table pour les biens de M. Tioté. Donc même si elle a gagné pour les faire expulser, ça, c'est, on appelle ça une bataille gagnée, mais ce n'est pas la guerre. Parce qu'il y a une procédure de guerre qui est en train. Ah, donc elle peut gagner. Attends. Donc elle peut le 14 là, donc elle peut gagner. Elle peut gagner le 14. Je ne sais pas qu'elle pourrait gagner le 14, hein. Ah d'accord. Donc, le détail de la maison, ce n'est qu'un détail. Quelqu'un qui a fait faux acte de mariage, vous-même dans vos bouches, vous dites, elle peut gagner. Ah bon, elle dit faux, on gagne. Non, la justice de Côte d'Ivoire, vraiment, on vous sollicite d'interpeller ce monsieur-là. Il doit aller justifier tous ces faux dits-là. Ce monsieur-là doit aller justifier ça. Voilà, ce n'est qu'un détail. Voilà, ce n'est qu'un détail. Et on peut aller jusqu'en cassation. Ça peut aller encore loin, jusqu'à la Cour suprême. Donc il y a plusieurs procédures qui sont engagées dans ce pays. Mais c'est cela que nous appelons à la mobilisation des Ivoiriens. Ok, je vous comprends, le général. Mais si la Cour d'appel donne une décision encore favorable à la dame qui a acheté, c'est dit que les gens. Je suis en train de tomber. Bon, ton souhait, c'est quoi? Non, laissez-moi comprendre. Est-ce que les documents seront épluchés pendant le procès? Nous, en fait, ce n'est même pas ce procès qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le procureur engage une enquête ouverte. Parce que là-bas, c'est un procès pour des dégrépissements, sortir de ma maison. Ce n'est pas. Bah, maintenant, TikTok, là, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'il y a, tu es là? Ouais, bah, voix est partie. Ouais. Oui, je suis là. Moi, je me suis endormie. Seigneur. Je me suis endormie jusqu'à ce que je me suis réveillée dans le live. Ouais, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Hein? Babani fort. Il déconseille. Il allait en prendre un truc comme ça. Il était dit. Ils font que le live ne monte même pas. Non. Franchement, ils ont peur de la vérité. Non, mais en gros. Makoso, c'est un amuseur public, hein, vous savez. Hein. C'est un amuseur public. Je pense qu'il n'en a rien à foutre de cette famille-là. Il profite juste de cette situation-là pour se faire une bonne visibilité encore, comme d'habitude. Sinon, moi, je pense qu'il n'en a rien à foutre parce que tout ce qu'ils nous ont dit là, ils n'ont amené aucune preuve. Les 14 maisons, la vente de l'immeuble, je ne sais quoi encore là. Donc, on n'a aucune preuve de tout ça. Donc, moi, je pense qu'on va attendre tranquillement le 14. Comme le disent les juristes de TikTok, là, le 14, il n'y aura pas grand-chose. Peut-être que ça va être reporté. Même si c'est reporté, on va faire une pause et puis on va passer un peu à autre chose. Et puis, et c'est très, très bien. On vous soutient, on est là, on vous soutient, on tapote pour soutenir toujours. Et voilà, on ne fait pas le suivi moutonnier. Si un jour il arrivait que Edwige, tu prends une position où moi personnellement je suis pas d'accord, je dirais que non, je suis pas d'accord. Mais du moment où il y a la vérité, on s'aligne du côté de la vérité. Madame est une femme mariée légalement. Voilà. Quand ils disent que les actes d'hérédité sont pas conformes,
Mais attends, la dame, elle était mariée légalement. Elle va pas pourchasser les maîtresses de ses maris pour chercher leurs enfants pour mettre sur l'acte. Donc, qu'est-ce que vous me racontez? Moi, je m'en fiche. C'est à chaque mère de faire la démarche. Et voilà, donc, franchement, des fois, il y a des gens, la façon de réfléchir même, ça dit que quand ils sont à la place des gens, qu'est-ce que j'allais dire même? Quand c'est à eux, ils trouvent logique certaines choses. Maintenant, quand ça arrive à d'autres personnes, non. Pourquoi elle a fait comme ci? Pourquoi elle a fait comme ça? Ouais, c'est pas logique et tout. Non, mais c'est... Enfin, bref, je m'arrête là pour le moment. Merci, Edwige. De rien, Aline, Aline est là. Vous voyez, peut-être détendre Aline? Parce que je pense que elle n'est pas connectée. Ce soir, comme ça, on va veiller. Comme demain, c'est dimanche, on peut veiller. D'accord. Allez, bisous à vous. Bon après-midi. T'allumes ou j'allume? T'allumes chez toi ou j'allume chez moi? On va se dire en inbox. Je t'appelle avant. Okay. Voilà, parce que ouais, vraiment, les lives sont attaqués. C'est trop attaqué, même de ouf. Ouais, Makoso, il paye les gens seulement, là, laisse tomber. Il peut signaler les lives. C'est vrai que tellement il n'a rien. Ouais. Il a dit, hein, il a donné le mot d'ordre aux gens là-bas, il l'a dit. Yako. Bon après-midi, ouais. Ce soir. Bisous. En tout cas, merci beaucoup. Connectez-vous bientôt. Vous allez savoir beaucoup de choses. Voilà. Cette histoire-là, vous allez savoir la vérité. La vraie vérité va sortir. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du paflotage. C'est du réchauffé. Et ce réchauffé là, en les dépiécer. Aujourd'hui là, Makoso, il pense qu'il va préparer son micro tout à l'heure. Donc, si ce, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tébé. Voilà encore.